Pour l'instant, c'est ici, dans cette prison, que vit Michel Martin. L'ex-femme de Marc Dutroux a l'intention de venir s'installer dans un couvent français. Mais avant même que sa demande soit parvenue à la France, le garde des Sceaux exprime déjà ses réticences. Nous n'avons pas été saisis par la Belgique. Mais si c'est le cas, on appliquera la convention qui lie la Belgique à la France. Et là, on regardera les choses. Et je n'ai pas l'intention de dire oui pour ma part. Le parquet général de Mons a choisi mardi de ne pas se pourvoir en cassation. C'était le dernier recours possible pour empêcher la libération conditionnelle de Michel Martin. Bien que je ne sois pas d'accord avec la décision rendue, j'ai décidé de ne pas introduire de pourvoi en cassation. Cette ancienne institutrice de 51 ans avait été condamnée en 2004 à 30 ans de prison pour sa participation au crime commis par son ex-époux. Alors que Marc Dutroux avait déjà été arrêté, elle laisse mourir de faim les petites Julie et Mélissa séquestrées derrière cette porte de béton. Si Michel Martin seulement avait pris la peine de donner une chance à ma fille, à ce moment-là, c'est normal que, quelque part, la justice soit un peu plus clémente avec elle. Ici, ce n'est pas le cas du tout. Si la France refuse d'accueillir Michel Martin, alors toute la procédure sera à refaire. L'ex-femme de Marc Dutroux devra présenter une nouvelle demande, ce qui devrait prendre un certain temps.